Les amis, vous le savez que nous sommes dans cette belle période, un moment unique pour retrouver ce cœur d'enfant. On vous envoie énormément d'ondes positives. On vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. C'est la période où on commence peu à peu à décompresser. Je vous le souhaite, à se retrouver. On prépare de bons plats en famille, de bons livres. Ça y est, on a les livres que l'on veut compulser, dans lesquels on veut se plonger. Et on écoute des musiques de Noël. Et pour certains, Noël n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que c'est lié à des douleurs d'enfance. Mais peut-être que c'est justement ça l'exercice, c'est d'utiliser cette période ou une autre période, la vôtre, mais de faire en sorte de trouver votre méthode pour avoir ce cœur d'enfant, ce cœur du tout possible, ce cœur de la magie de l'être humain, ce cœur, je dirais, de l'audace, ce cœur de la créativité, ce cœur d'enfant. Voilà. En cette période de fin d'année, tu ne veux pas avoir à tes côtés constamment pendant ces fêtes 5 types, 5 profils de personnes dans les pattes. Ce sont 5 ennemis de ta santé mentale. Vous devez protéger votre santé mentale. La première personne qu'il faut éviter, très exactement, c'est le mécontent chronique. C'est un ennemi de votre santé mentale, le mécontent chronique. Les plaignants sont des gens qui se plaignent toujours de la gravité de leur vie ou de leur travail. Ils se plaignent constamment de tout, mais ne font jamais rien à propos de ce sujet. Ils ont besoin de reconnaissance et d'amour, et c'est pour ça qu'ils se plaignent en permanence, et en plus, ça leur permet de trouver des sujets de discussion, tu vois. Vous ne voulez pas en ce moment, et gardez l'habitude, de mécontent chronique. Deuxième ennemi de notre santé mentale, c'est ce que j'appelle en profil le droit à tout. Ce sont les gens qui ont le sentiment d'avoir droit à certaines choses dans la vie, et notamment à tout. Comme s'ils n'avaient pas à travailler pour quelque chose. Comme si tout était dû. Ce sont des gens qui vont essayer de vous dissuader de suivre vos rêves parce qu'eux-mêmes sont frustrés à la base. Et tu ne veux pas t'entourer pendant ces fêtes, et garde l'habitude, de gens qui pensent qu'ils ont droit à tout parce qu'ils vont te dissuader de vouloir plus toi-même. Troisième danger pour notre santé mentale, le troisième ennemi de notre santé mentale, c'est le robot. C'est-à-dire que c'est une personne qui est très conforme. Alors le conforme, il va te casser la tête parce que lui, il t'amènera jamais à t'encourager de sortir de ta boîte. Le conforme, c'est monsieur ou madame boîte. Alors lui, c'est le confort, c'est la sécurité totale et absolue de l'univers, que si je peux vivre dans une seringue, ce sera encore plus sécuritaire. C'est le gars qui va toujours te faire comprendre que tu as des pensées trop audacieuses, trop extravagantes. Ce sont ces personnes qui se conforment aux limites qui leur sont imposées. Imposée par la société qui elle-même a déjà une pensée moyenne. Ils n'ont aucun rêve. Ils ne poursuivent aucun désir fou. Leur mot d'ordre, c'est le statu quo. Je ne verrai jamais au-dessus de mon statu quo. Ils vivent simplement comme des robots, les conformes. Tu ne veux pas t'entourer durant ces fêtes, est-il garde l'habitude, de conformes. Le quatrième ennemi de votre santé mentale, c'est ce que nous appelons le réseauteur. Eh bien, vous n'en voulez pas trop en ce moment dans votre entourage, parce que c'est un voleur d'énergie. Vous êtes un produit pour ces gens-là. La plupart du temps, vous êtes un produit, un faire-valoir. Ce sont des gens qui planifient des heures heureuses 5 jours par semaine. Ce sont des gens qui vivent pour sortir tous les soirs. Ce sont des gens qui vous invitent parce qu'ils ont besoin de combler une audience, parce qu'ils ont besoin de votre profil, de votre aura, de votre expérience, de votre titre. Méfiez-vous parce qu'ils peuvent vous distraire de vos rêves. Ne vous méprenez pas, vous devriez prendre le temps de vous détendre, de vous dégourdir, de sortir, de faire la fête, bien sûr, c'est chouette. Mais le saut de barre n'est pas la solution. Le saut de cette fête continue n'est pas non plus la solution pour redonner un nouvel élan à votre carrière ou à votre business pour 2021. Vous savez, aujourd'hui, je crois que c'est important de grandir en tant que personne. Et pour grandir, il faut aussi se rappeler que vous devez vous autosuffire et arrêter de vivre dans la superficialité. Et bien souvent, le jet-setter, le réseauteur, vous amène souvent dans cette superficialité. Donc attention à ne pas vous faire avoir par ce profil-là que vous allez rapidement voir déceler dans votre environnement. Cinquième ennemi de votre santé mentale, le caliméro. Je l'appelle le sans-espoir. Ce sont des gens qui sont des douteurs. Ils vont écouter vos grands rêves, mais ils seront les premiers à vous dire qu'ils ne pensent pas que ce soit une bonne idée ou que ce soit une bonne idée d'espérer.
parce que eux-mêmes ont abandonné. Eux-mêmes n'ont aucun espoir. Vous pouvez retrouver des gens dans votre environnement familial qui ont déjà abandonné leurs propres rêves et qui cherchent à vous décourager d'aller embrasser les vôtres. Ce sont des gens qui pensent que vous devriez cesser d'être extravagant. Parce que de toute manière, ça ne marchera pas.